la femme est l'avenir de l'homme, peut-être on peut dire le féminin, le féminin qui existe aussi dans l'homme masculin, dans l'homme sexué masculin, et l'avenir de l'humanité. Le féminin est l'avenir de l'humanité, mais en relation avec le masculin, toujours en relation. Et j'aime beaucoup justement, vous savez, ce symbole chinois du yin et du yang, n'est-ce pas, où on voit à quel point ils sont en dialogue permanent, chacun gardant sa couleur, le blanc, le noir, mais il y a du noir dans du blanc, et il y a du blanc dans du noir. Et ils dansent le tango, alors on aura l'occasion de voir, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une danse, ce symbole-là. Et avec Pierre Fort, on pourrait d'ailleurs dire que ce yin, qu'on appelle souvent le féminin, on pourrait dire que c'est la réceptivité, l'accueil, et que le yang, qu'on pourrait dire le masculin, c'est l'émissivité, n'est-ce pas? L'action. Donc nous sommes dans cette problématique-là, et on peut justement en arriver à se dire, eh bien, cette bipolarité énergétique de l'archétype, archétype, c'est-à-dire des grandes structures psychiques que nous avons tous, animus, peut être à la fois négatif ou positif, infernal, dirait Pierre Solier pour l'animus négatif, ou positif et célestiel, dirait Pierre Solier dans son langage tellement poétique. Et nous allons donc entrer, si vous voulez bien, dans ce que moi je peux vous proposer de lecture du masculin de Marie-Louise von Franz, et je passerai ensuite la parole à Michel pour vous proposer le féminin de Pierre Solier.